Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Fouga, c'est Mister Owen 76, la sentinelle qui retombe sur C4L. Comment ça va, gros? Ça va bien et toi? Ça va. Et tu peux partir pour la liste NUC. Et donc c'est différent, ça. Là, justement, en plus, cette liste-là, elle est vraiment dans le film. T'as compris? C'est marrant. C'est différent. La liste con. Ok, ouais, vas-y. Et donc, on se retrouve dans les pays de l'Est. En Russie. Je sais pas. Oh, c'est une basket! Non, mais. Air France, oh, le sponsor Air France. Où ça, Air France? C'est pas marqué Air France, c'est marqué Air quoi? C'est Air France? Bonjour, monsieur Fell. Un ancien officier du KGB, Alexander Koïtsi, aujourd'hui agent secret, a kidnappé une de nos meilleures spécialistes en informatique. C'est un public et chic. Candy Parker. Il est emparé d'une moitié de la liste de nos agents secrets en Europe de l'Est. Cette liste est divisée en deux parties codées. Celle que Koïtsi possède n'a aucun intérêt sans l'autre. Elle a des grandes jambes, qui est gardée dans le QG de la CIA à l'anglais. Candy est séquestré dans l'ambassade russe de Prague, et il tente de décoder la liste, pensant probablement qu'elle connaît la clé du code. Nous savons aussi qu'il dispose d'un ordinateur très puissant sur place pour décrypter notre code. Notre agent Robert Barnes a été envoyé sur place pour libérer Candy et s'arranger pour faire porter le chapeau à Golitzine et le discréditer auprès de Moscou. Mais nous n'avons aucune nouvelle de Barnes depuis, et nous pensons qu'il a pu être découvert. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à pénétrer dans l'ambassade demain soir, à retrouver Candy, à copier la liste, à détruire l'ordinateur et à vous échapper avec Candy et Barnes s'il est toujours vivant. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous ou l'un de vos hommes étiez capturé ou tué, le département est à lire à votre connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. 4, 3, 2, ouais. Non, là c'est de la connerie. Donc on est en Tchécoslovaquie, donc là on est avec Ethan. On a toujours Jim Swales dans l'équipe. Sarah Davis, elle va être primordiale dans la première mission. Dieter Harmon, pareil. Jack Kiefer, ça va être dans cette partie d'émission là, mais c'est la dernière. Barnes, on va le voir une fois. Et Candice, bien sûr, elle est primordiale au jeu. Donc voilà, c'est parti. Les objectifs: trouver le facemaker, récupérer la partition, trouver le vomitif, trouver la boisson, placer les fumigènes, éliminer la tueuse, spoil, prendre l'identité du secrétaire et pénétrer dans la zone interdite. Avec le vomitif, j'espère qu'il est pas éméphobe. Hein. Émétophobe. Oui, parce qu'il y a une meuf dans ma classe qui est émétophobe. C'est-à-dire qu'elle a peur des gens qui vomissent. Et donc voilà, là, petit plan de caméra. Travelling. Travelling. Hein. Oh, oh, plan séquence là. Oula, on se croirait dans. Non, je suis pas. Donc voilà, là, on apprend que Scofield est à nos trousses. Scofield? Et donc, placer les fumigènes. Pour placer les fumigènes, c'est là. Et quand tu le sais, ça? Faut faire attention parce qu'il y a des policiers qui traînent dans le coin, en fait. Là, faut parler à eux. Alors voilà, Sarah Davis. Ouais. Là, voilà, faut insister pour leur parler. Et pourquoi il faut insister? Assez, mais il faut que tu me passes directement. Vas-y, mais que ça. On peut y aller. Voilà. Ok. Et t'as fait le facemaker. Elle a passé le facemaker. Voilà. C'est quoi un facemaker? C'est le scanner, ce que t'appelles le scanner. Pour changer de visage, c'est ça? C'est ça? Ouais. Et donc voilà, là je vais profiter qu'il se met là. Je place ma petite fumigène. Tranquillou. En fait, tout est question de timing, ouais. C'est ce que j'ai envie de dire. Et pourquoi tu mets des fumigènes là-dedans? Tu verras dans une autre mission. Ok. Ah, c'est bien, les missions sont liées entre elles. Ouais. Ça c'est bien. Okay. Alors. Je crois qu'il faut leur parler. Voilà, ils vont aller. Ils ressemblent à l'autre, non? Et ça rame un peu, non? C'est pas du 30 FPS, hein. Non, faut pas que ça rame.
Ouais, j'ai peut-être l'un. Ouais, peut-être. Bah, peut-être, oui. Ça a du 10 FPS. Au pire, c'est déjà. Là t'es mis encore en serveur hein ouais non on a invité ah bon oui par contre si tu vas derrière le comptoir ça fait quoi hein faut pas aller derrière le comptoir oui. Oula, il t'a transpercé avec son plateau. Voilà Dieter Harmon, donc, qui nous passe le vomitif. Donc on a la boisson et le vomitif à la fois. Là donc on a Scofield. T'avais pas derrière là une bouche de déclaration. On a Scofield. Je l'ai. Non, l'autre, de l'autre côté. Là. Ouais. Mais il y a des personnes derrière toi, ils vont te repérer. Si j'ai l'œil quand même, hein. Ça j'ai dit si c'est un peu, mais. C'est au... Alors donc là vous avez une femme, c'est Scofield, une tueuse. Une tueuse, ok. Qui est. Méchante ou gentille, enfin de ton côté quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Nous on est des agents secrets. Tu l'as mise celle-là? Hein? Tu l'avais mise de la fumigène dans celle-là? Ou Ouais, il m'en reste plus qu'une à mettre. Ouais. Mais tu sais c'est où? Ouais, je... Ouh, dans les toilettes. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est joli, c'est... C'est quoi? C'est une sarbacane? Hein? Ouais. Alors, est-ce qu'il me suit? Surtout pas tirer dans les policiers parce qu'après ça fait une alarme et la mission est perdue. Mmh. Et là tu dois tirer sur qui? Sur Springfield? Sur Scofield. Sur Scofield. Ok. Elle va pas se planter la pousse. Hein. C'est elle dans ce moment. Tu veux pas courir? Oui, tu veux courir. Non, justement c'est bien le problème. Non, on pouvait croire. Ouais, ça fait ma bouche déjà. Et c'est où qu'il faut mettre la dernière. La voilà. Tu me suis, petite pelouse? Ouais, bien. Elle fait ses premiers pas comme un bébé. Ouais. Allez, ouais. Vas-y, petite grognasse. Bien, on va aller dans les toilettes tous les deux. On va faire quelque chose dans les toilettes. Ça va être funny, ça va être l'enfer. Là, par contre, je sais pas du tout comment. Mets-toi ici, là, ouais. Bah, va rentrer ou pas, non? Rentre pas. Ouais, on va. Là, faut bien viser. Dans la tête ou pas? Pas en porte? C'est du one shot? Ouais, c'est du one shot. C'est une fléchette. Alors là, je garde un petit espace pour la voir arriver. Donc. Et donc. Ah, tu as tiré? Ouais. On l'a même pas vu. Ça a pas fait de bruit, ça a rien fait. Bon, voilà, déjà moins 1. Alors c'est là, du fumigène. Il reste les fumigènes, il reste la fumigène. On va faire un petit point. Il reste la fumigène, la partition, l'identité du secrétaire et pénétrer dans la zone interdite. OK. Le secrétaire, je sais pas si c'est les premiers secrétaires et tout, tu sais les chefs des communistes et tout. Et pourquoi t'as endormi Scofield? Parce qu'elle voulait me tuer. T'as suivi un peu le truc? Non, bah tu zappes tous les dialogues, donc en même temps. Alors.
Alors voilà, la partition. Et c'est pour jouer quoi comme musique? La marche de Cyborgskaya. Et quoi, il y a eu ça? Voilà, j'ai la répartition. Alors donc, on va avoir droit à une musique super sympa que j'adore. C'est vrai? Pourquoi t'as un 0 en dessous? Où c'est un 0? Ouais. Où c'est qui lui? Le premier secrétaire. Il y en a des médailles. Bah, c'est un communiste. Hein. Bon. Et là, hop. Sloborskaya, hop. Nazdarovni. Oh, je ne me sens pas très bien. Et hop. Il est aux toilettes, là. Nous, comme un gros goujat, on arrive là, hop. Vous avez mis le vomitif dedans, ça? Voilà, c'est ça. Le vomitif sert en fait à piéger le premier secrétaire. Et donc, cette mission-là, c'est pleinement de l'infiltration. Faut se cacher, faut. Ouais. Hein? Ouais. Enfin, faut. Tu vois? Toujours. Et quand on connaît pas le jeu, c'est vrai que c'est de la ruse aussi, parce que faut chercher et tout. Oui, enfin, bien sûr, là tu connais, donc ça va vite, mais c'est vrai que. Et donc voilà, on le traîne dans lui. Dans le jeu. Et tu vas pouvoir le scanner, là, le Facemaker. Facemaker. Ah, il a mis sur les toilettes! Et à garder les avis d'autres. Maintenant tu dois exécuter ces missions alors. Sans réveil. Compris, je fonce. Et c'est timé ou pas là? En tout cas là c'est pas. Apparemment non. Et j'ai jamais perdu à cause du réveil de quelconque. Ouais, t'étais sur le tableau. Non, c'est son père qui est sur le tableau. Ah oui, il allait nous habiller. Et là voilà en fait, là on peut passer. Ouais, ok. Et n'oublie pas la dernière fumigène. Je sais pas où est-ce qu'il faut la mettre. Ah. Ouais, derrière. Hop, hop. On a bien regardé ça. Tout, 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 tout. Et là, c'est fini, là. Il t'a plus qu'à aller dans la zone secrète. Et là, faut aller dans la zone secrète. Et donc là, on voit le drapeau de l'Union soviétique. Ah ouais. La Tchécoslovaquie, je veux dire. Et là, il y a. Lénine. C'est bien fait. Non, c'est pas Lénine. C'est un premier secrétaire. La dictature communiste. Si vous aimez les communistes. Ok, tu passes-y là. Bonne soirée, excellence. Magnifique. C'est fini. Voilà, c'est fini. Capri, 13 minutes, c'est fini. Ah, c'est là. Et comment ça met du temps là? Ouais, donc on vous laisse là. Ouais. Mission plutôt pas mal, on va dire. Bien plus longue si on connaissait pas le jeu, bien sûr. La première fois qu'on fait, ça va être bien plus long, on va dire. Mais là c'est une mission pleinement infiltration. Alors que la mission qui va suivre sera un peu plus bourrin. Parce que dans cette mission-là, tu n'as tué personne. Tu as assommé une personne et tu as. Endormi. Ouais, et t'as voulu faire vomir un autre aussi. Pardon. C'est qui que j'ai assommé? Bah, le. Tu sais que t'as pris l'identité, non? Tu l'as fait quoi? Ah oui, mais je l'ai fait vomir avant. Hein. Ouais, mais tu l'as assommé. Oui. Ça. Le pauvre, elle en a pris plein. Le carafon. Bon, allez, tchuss! Oui, il s'en est pris plein la cool. Ouais, allez, au revoir. Goodbye. Et comme dirait le petit tchèque, Nazdarovni.